Mes amis, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Nous sommes heureux d'être ensemble ici aujourd'hui pour vivre ce moment sous l'égide du ministère de la famille. Permettez-moi de remercier Pasteur Mila de m'avoir invité à vivre avec vous ce moment et de saluer l'action qui est menée au sein de cette fédération pour le bien-être des familles, de notre Église, mais de la communauté de manière générale. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, mais je voudrais simplement vous dire que celui qui se tient devant vous n'est qu'un pécheur sauvé par grâce. Je sais que je peux compter sur vos prières pendant que nous allons partager ensemble ce moment. Le titre de la présentation, vous l'avez reçu, des hommes debout, de vrais hommes de Dieu, des pères gardiens sacrificateurs. Le texte à partir duquel nous allons lancer la réflexion se tire du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 22 et des versets 29 à 30. Ézéchiel 22, versets 29 à 30. Puisque vous avez trouvé, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions, juste avant de nous plonger dans le Saint-Livre, nous incliner pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, ton peuple et tes enfants sont rassemblés ce matin. Ils attendent de ta part une parole. Nous croyons que tu seras présent et que tu seras, Seigneur, toi-même parler à ce peuple. Je te prie, ô mon Dieu, de me cacher derrière la croix. Et permets que les paroles qui seront ici prononcées correspondent à ta volonté pour ton peuple, pour ton Église rassemblée. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le texte se lit de cette manière. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Il est verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais l'Éternel affirme, je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Alors j'affirme ce matin, frères et sœurs, chers amis, que Dieu cherche un homme. Est-ce vous? Et si ce n'est pas vous, c'est qui? Parce que Dieu cherche un homme. Le contexte dans lequel le prophète Ézéchiel écrit, frères et sœurs, se retrouve, le peuple est en exil à Babylone, loin de ce pays où coule le lait et le miel, pays qui avait été jadis donné à l'Éternel, au prophète, au serviteur Abraham. Ce pays, ce territoire qu'il avait offert à son peuple, à ses enfants. Mais hélas, le peuple s'est éloigné du plan du Seigneur et il se retrouve maintenant en déportation, en exil dans la Babylonie. C'est la honte, c'est la désolation et selon les paroles du psaume 137, versets 1 à 4, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandent des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Alors la réponse qui vient du fond de leurs entrailles, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Chers amis, malgré la détresse générale
il n'y avait même pas un sursaut national, un orgueil national. Le peuple continuait à rester dans cette situation de déchéance et d'éloignement du Seigneur notre Dieu. Le peuple s'enfonce davantage dans le mal. Alors dans ce contexte, le prophète Ézéchiel reçoit de la part du Seigneur une série de paroles pour le peuple, afin de faire résonner la sirène, afin de faire retentir l'alarme, afin de faire sonner le tocsin. En effet, Ézéchiel chapitre 22, versets 6 à 11, déclare ceci, et je cite, voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, il affirme encore cette parole, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on monte sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, déclare encore le texte, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chers amis, le mal a atteint son paroxysme. Et le mal est à tel point mal que en parler fait mal. Cependant, et cela de manière contradictoire, la débauche a atteint un tel niveau que plus personne ne dit plus rien. On continue son petit bonhomme de chemin comme si de rien n'était. Mes chers amis, si vous pensiez que notre Dieu allait fermer la bouche et regarder ce qui se passe sans rien dire, nous nous trompons. Le Seigneur ne peut pas supporter de voir son peuple, ses enfants, dans une telle condition. Il ne peut se réjouir de voir les porte-paroles avec la tête baissée, le regard éteint, sans ambition, sans passion, sans vision. Alors l'Éternel parle, il dénonce, il alerte, il reprend. Considérez la suite du verset avec moi. Ézéchiel 22, verset 23 et suivant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem. Fils de l'homme, c'est moi qui ajoute, parle à mon peuple. Tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspire dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané, déclare le texte au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Chers amis, condition du peuple d'Israël d'alors ressemble à s'y méprendre à la situation du peuple de Dieu de la fin des temps.
aussi vouloir garder le silence pour ne pas alarmer, ou vouloir peindre une image brillante correspondrait à enduire de plate une situation plus que préoccupante. Mais devant cet état de fait, Dieu cherche un homme qui serait son porte-parole. Dieu cherche un homme qui sonne l'alarme. Dieu cherche un homme qui agite le drapeau de danger imminent. Dieu cherche un homme, mon frère. Est-ce toi? Et si ce n'est pas toi, c'est qui? Je cherche parmi eux, déclare le texte, un homme qui élève un mur, qui protège, un homme qui se tienne à la brèche comme un intercesseur devant moi en faveur du pays. Et l'Éternel est forcé de parvenir à la conclusion, je n'en trouve point un. Chers amis, la réalité de la condition de l'homme aujourd'hui mérite que l'on s'y arrête un instant. Je parle de la condition de l'homme individu de sexe masculin. Parce que si Dieu cherche un homme, on se demanderait d'ailleurs très bientôt qu'est-ce que c'est qu'un homme vraiment. Une espèce en voie de disparition. Le récit de la création, chers amis, le récit de la création de l'humanité nous permet de tirer les leçons sur le rôle et la mission que Dieu avait donné à chacun, mais à l'homme en particulier. Et permettez-moi, chers amis, pendant quelques instants, de tenter de définir avec vous ce que Dieu avait prévu comme plan pour les hommes, pour la race humaine, mais en particulier pour la gente masculine. En effet, le processus de création d'une nouvelle entité familiale, selon le modèle biblique, est de la responsabilité de l'homme, individu de sexe masculin, pas le grand homme dans le sens générique. En effet, le texte que vous connaissez bien, Genèse 2, 24, déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme, c'est-à-dire un individu qui a atteint cette maturité physique et émotionnelle et qui est prêt à pouvoir s'assumer. Alors, il va fonder une famille. L'homme, déclare le texte sacré, quitte son père, quitte sa mère, a déjà établir son processus de développement et à atteindre cette maturité afin de pouvoir fonder sa propre famille. Après la désobéissance de nos premiers parents, la démarche du Créateur est encore, je répète, orientée vers le mari. En effet, dans Genèse 3, versets 8 à 12, ils entendirent Adam et Ève la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Oui, mes chers amis, c'est beau de voir que Dieu cherche, et depuis l'origine jusqu'à maintenant, Dieu cherche un homme. L'Éternel appelle l'homme. Et il lui dit, où es-tu? Il n'a pas dit, où êtes-vous? Il savait bien qu'ils se cachaient tous les deux, mais Dieu s'adresse à celui qui est responsable. Où es-tu? Adam. Alors celui-ci répond, parce qu'on s'adresse à lui de manière directe et personnelle, il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh, chers amis, aujourd'hui, le syndrome de la peur traverse comme l'homme moderne. Il avance, mais il avance comme un homme fragile de l'intérieur. Oh, bien sûr, il a la grosse voix, il a la barbe, mais très souvent, il a encore la bavette autour du cou. Dieu cherche de vrais hommes. L'homme répondit en se cachant dans une timidité, dans une hésitation insupportable. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a mis dans cette situation. Au lieu d'assumer sa posture, au lieu d'assumer ses responsabilités, il accuse. Dieu ensuite donne une responsabilité à l'homme, malgré cet état de fait, en lui disant, c'est toi qui vas assumer la subsistance de ta famille.
puisque tu as écouté, Genèse 3, verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Chers amis, l'objectif de notre adversaire, dans une stratégie de division, est de pousser l'homme à s'écarter de son rôle et de sa mission afin de contribuer à l'affaiblissement de la famille. Un regard rapide sur le problème de la violence au sein des familles modernes confirme le succès de la stratégie de notre ennemi. En France, par exemple, sur une femme sur 10 est victime de violence ou de maltraitance dans le cadre de son mariage. Une femme meurt en moyenne tous les 3 jours des suites de violence au sein du mariage. Un homme meurt tous les 14 jours de suites de violence conjugale. La femme, c'est tous les 3 jours et l'homme, c'est tous les 14 jours. Et la plupart des cas, la femme coupable du crime a elle-même été maltraitée par sa victime. 13% de tous les morts violentes dénombrées en France, où le coupable est connu, ont eu lieu dans le cadre du couple. 41% des crimes dans le mariage sont liés à des problèmes de séparation. 23%, chers amis, des meurtriers se suicident après avoir réalisé leur crime. Et de ces 23%, de ce groupe, 97% sont des hommes. Il nous faut nous pencher sur la réalité, sur le devenir, sur le fonctionnement de la gente masculine ici, dans cette église et sur ce territoire, frères et sœurs. On estime en France que plus de 1,5 million de femmes sont victimes de violences conjugales. Alors vous allez me dire, mais où est donc l'intérêt de ces statistiques? Faire la preuve, si cela était nécessaire, que l'on s'est écarté du modèle biblique, du modèle divin. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il considérait cette thématique, quand il considérait la situation ou l'état des familles, il disait dans son livre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 23 et suivant, 25 et suivant plutôt. Marie, disait-il, l'apôtre Paul, en s'adressant aux hommes, en s'adressant aux mariés. Marie, aimez vos femmes. Et comme disait Pasteur Millard dimanche matin, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Nous sommes appelés, mes frères, à être des sacrificateurs, à exercer un ministère sacerdotal au sein de nos familles. Afin, déclare le texte, de la sanctifier par la parole, sous-entendu la parole de Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. L'apôtre continue en ces termes, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église, cette famille, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est une évidence. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, verset 30 continue, « Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi ?» Et l'apôtre reprend le discours de l'origine de la création. « C'est pourquoi ?» L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Alors les deux deviendront, frères et sœurs, une seule et même chair. Hélas, aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération d'hommes qui ne peuvent pas se détacher de la cellule d'origine. La femme quitte, mais eux restent attachés, restent connectés. Ils ne sont pas mûrs dans leur tête et dans leur esprit. La mission de l'homme est donc bien d'assurer l'intégrité de sa cellule familiale. L'homme a été formaté pour assurer la protection physique, matérielle et spirituelle de l'unité familiale. C'est lui, l'homme, que Dieu appelle comme étant
le gardien de sa famille. L'expression anglaise, quand elle parle du mari, parle du husband, c'est-à-dire celui qui rassemble et qui fait le lien. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération d'hommes qui, quand on frappe à la porte à 2h du matin, disent à leur femme chérie, va voir qui est à la porte. Dieu cherche des hommes. C'est lui le gardien, c'est lui le sacrificateur de la maison. Mais hélas, la société fait tout ce qu'elle peut pour gommer ce rôle et cette mission du disque dur de nos jeunes garçons. Avec ces nouvelles attaques modernes et variées, comme la théorie du genre, l'identification sexuelle est réduite à un simple choix personnel et au processus de socialisation sans tenir compte de la décision ou du choix divin. Si Dieu vous a fait homme, vous êtes homme de la tête aux pieds. Et Dieu veut que vous puissiez assumer son choix divin. Pas étonnant que s'installe aujourd'hui un véritable flou artistique dans la tête même des individus quand pour savoir s'il est homme ou femme, qui il est vraiment. Ils sont très souvent, hélas, nos jeunes garçons, dans une confusion identitaire, telle qu'ils ne savent plus comment exprimer leur masculinité. Et vous avez observé comme moi-même, chers amis, qu'il y a de plus en plus une efféminisation, une féminisation de l'homme. Bien sûr qu'il y a maintenant toutes sortes de vêtements qui sont unisexes. On ne peut plus faire la différence entre un homme et une femme. Et l'homme est brisé dans son être intérieur. Certains psychologues et sociologues vont jusqu'à parler de la castration de l'homme moderne. Guy Corneau, un célèbre psychologue canadien, décrit le syndrome du père manquant et des fils manqués. Chers amis, la cause ignorée de la violence au sein de la famille ne peut pas être ignorée trop longtemps. La remise en cause du rôle du père et le rejet de la place et de la mission du père au sein du système familial a des conséquences graves. Aujourd'hui, de nombreuses recherches confirment le fait que la mise à l'écart du père comme l'une des causes de la montée de la violence au sein des familles et dans la société en particulier. Dans une loi qui a été présentée en 2004 par, à l'époque, Madame Ségolène Royal, à l'époque ministre de la Femme et des Enfants, en coopération avec Marlise Lebranchu, le 4 mars 2004, on parlait déjà de reconstruire et de renouveler l'autorité parentale. Mais aujourd'hui, en 2012, l'une des promesses du président de la République française consiste à instaurer au plus vite la légalisation du mariage homosexuel. Et pourtant, les travailleurs sociaux démontrent qu'en dépit d'une apparente domination des hommes, l'homme moderne est devenu plus ou moins absent dans la famille, où son rôle est de plus en plus nié. Les hommes qui ont d'ailleurs une position d'autorité n'ont plus d'impact positif dans un domaine qui leur est cher, c'est-à-dire leur propre famille. S'il me fallait, chers amis, faire un bref survol du rôle historique du père dans la famille, nous sommes passés de ce qu'on appelait à l'époque le pater familial romain, avec une autorité suprême du père sur sa femme et sur ses enfants. De cet extrême, nous sommes passés à un autre extrême qu'on appelle aujourd'hui le paternalisme d'État, laissant très peu d'espace pour l'autorité parentale, et spécialement pour l'autorité du père. Frères et sœurs, cette érosion du rôle du père a affecté et affecte encore progressivement la place et l'identité de l'homme dans la société, dans la famille, mais hélas, aussi dans l'Église.
Mes chers amis, cette réalité que je tente de décrire est une affaire sérieuse avec des conséquences profondes et graves, dramatiques sur le fonctionnement familial, sociétal, mais aussi spirituel. Dieu cherche un homme. Est-ce toi? Sinon, qui est-ce? Dans Genèse chapitre 3, verset 1er, Moïse nous rappelle que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Alors il dit à la femme, à l'époque, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette réalité, ce discours, cet échange, frères et sœurs, ce refus d'accepter la parole de Dieu crée une déstabilisation du système familial qui va préparer le terrain pour tous les troubles du comportement que nous connaissons aujourd'hui, y compris la violence. La séparation du plan de Dieu est la cause principale, j'affirme, frères et sœurs, la cause principale des maux de la société d'aujourd'hui. Le rôle de l'Église et de la famille est donc d'inviter les uns et les autres à renouer une relation avec Dieu, à être réconciliés avec Dieu, le Père céleste. Le rôle de l'Église, frères et sœurs, est de dire la vérité et de réaffirmer le plan de Dieu. Dieu avait voulu que les hommes soient des hommes. Pour que la famille soit stable, équilibrée, solide, où chacun joue son rôle. Toute autre configuration sont des dénaturations du plan originel divin, voué à l'échec. Alors mes chers frères, je voudrais ce matin vous inviter solennellement à vous tenir debout dans vos têtes et dans vos pantalons. À être debout mes frères. Et à assumer pleinement la mission que l'Éternel nous a confiée dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises. Cette image de l'homme instable, violent, coureur de jupons, peu sérieux, absent, même quand il est là, doit être effacée par des hommes qui ont compris le rôle et la mission que le Dieu, notre Dieu, les a confiés, notre Père Céleste. Papa, Marie, messieurs, jeunes hommes, c'est à nous de rétablir l'image du Père Céleste aux yeux de nos enfants, de nos épouses et de notre Église. Et nous n'avons de demande ou d'excuses à faire à personne. Dieu vous a fait homme. Alors il nous faut nous réveiller, chers frères. Il nous faut nous réveiller et assumer le rôle spirituel que Dieu nous a confié de gardien et de sacrificateur. Alors vous savez, quand l'Éternel considère cette situation, il ne reste pas à distance. Dieu, frères et sœurs, a déjà prophétisé que jour les hommes de la Martinique, les hommes de la Caraïbe, les hommes du monde entier se tiendraient debout. En effet, l'Éternel déclare par la bouche de son serviteur Malachie, à la fin de cette période testamentaire, alors qu'il y aura ce long silence, Dieu fait une prophétie. Vous pouvez considérer avec moi ce qui est dit dans Malachie au chapitre 4, verset 4, verset 5 et 6. Malachie 4, verset 5 et verset 6. Voici, déclare-t-il. Je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour il décrit comme étant un jour grand et redoutable. Et puis voici, frères et sœurs, chers amis, la prophétie qui s'adresse et qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui dans ces derniers temps. Voici la prophétie. Il, l'Éternel, ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Et il reprend l'expression qu'il lisait jadis dans le verset d'Ézéchiel, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il n'a pas dit qu'il ramènerait le cœur des mères à leurs enfants, mais le texte dit bien que Dieu, frères et sœurs, veut ramener le cœur des pères à leurs enfants. Dieu attend qu'il y ait ce réveil au sein de ce groupe d'hommes qu'il a créé afin qu'ils puissent faire cette démarche vis-à-vis de leurs enfants, que le lien soit renoué, qu'il soit créé
afin que chacun assume son rôle et sa mission. Alors j'affirme devant vous, frères et sœurs, ce matin, sur la base de la parole de Dieu, oui, Dieu a un plan pour ma famille. Oui, le plan de Dieu est un plan merveilleux pour son Église. Oui, Dieu veut que la réconciliation ait lieu entre les enfants et leurs pères. Alors la question pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, est de savoir si nous voulons, nous frères, nous hommes, nous jeunes hommes, nous garçons, si nous voulons vraiment qu'elle ait lieu dans notre vie, chez nous. Dieu cherche un homme. Est-ce toi? Sinon, c'est qui? Le 13 mai de l'année 1940, devant la Chambre des communes, trois jours après avoir succédé à Chamberlain au poste de Premier ministre britannique, alors que les Panzers allemands commençaient à envahir la France et la Belgique, l'Angleterre restait le dernier rempart face à l'Allemagne nazie. Winston Churchill se présente devant les députés anglais pour faire ce discours mémorable. À la Chambre des communes, il affirme « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve des plus douloureuses. Nous avons devant nous de nombreux et longs mois de combats et de souffrances. Vous demandez quelle est notre politique. Je peux vous dire, c'est engager le combat sur terre, sur mer, dans les airs, avec toute la puissance et la force que Dieu peut nous donner. Engager, disait-il, le combat contre une monstrueuse tyrannie sans égale dans les sombres et désolantes annales du crime. Voilà, disait-il ce jour-là, notre politique. Vous demandez quel est notre but? Je peux répondre en un mot, la victoire. Victoire à tout prix, la victoire sur la terreur, la victoire le long du chemin, la victoire sur la mer, la victoire sur la terre, mais la victoire. Frères et sœurs, ce matin, nous n'avons pas d'autre option, parce que Dieu nous a appelés à être des dirigeants dans son peuple, dans son Église et dans sa famille. Nous n'avons pas d'autre option que d'avoir la victoire pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, il faut que nous soyons clairs. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Une guerre pour les esprits, une guerre pour les âmes, une guerre pour la nation, une guerre pour l'Église, une guerre pour la famille. Alors, selon les paroles du serviteur Jean en exil sur l'île de Patmos, c'est pourquoi il entrevoit, il en trouve, frères et sœurs, il en trouve le voile pour que nous sachions ce qui va se passer à la fin des temps. C'est pourquoi il disait, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et je loue Dieu pour la dernière partie de la phrase, sachant qu'il a peu de temps. L'heure de la victoire a sonné, mes frères. Le signal de la victoire a sonné. Et bientôt Jésus-Christ va revenir. Mais il a besoin, en attendant, que nous puissions rassembler nos familles. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes en guerre. Mais la victoire est déjà gagnée. Jésus a déjà gagné la victoire. Mais il nous invite, mon frère, il t'invite, mon frère, à marcher avec lui. C'est dans ce contexte. Le contexte de la création, que la guerre a été créée, plutôt que cette guerre cosmique se déroule. Mais dans ce contexte, l'homme reçoit une mission spécifique. Cette mission que je le disais comme étant celle d'être le gardien sacrificateur. Dès l'origine, Dieu cherchait des hommes, tel Noé qui travaille pendant 120 ans pour construire une arche pour sa famille. Dieu cherche un homme tel Abraham qui va conduire toute sa famille dans un pays inconnu.
Dieu cherche des hommes tels Moïse, prêts à mettre sa vie sur le tapis pour le salut du peuple dont il avait la responsabilité. Dieu cherche des hommes tels Josué qui peuvent dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu cherche des hommes tels David qui, après avoir commis les pires méfaits, pouvait se repentir sincèrement et assumer les conséquences de ses décisions. Dieu cherche des hommes sur qui il peut compter. Ellen White, dans son livre Éducation, a cette citation fameuse que nous aimons très souvent utiliser, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole, l'étopole. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes. Êtes-vous celui-là, mon frère? Aimé Césaire, alors qu'il considérait son territoire, son peuple, alors étudiant à Paris, rédige son cahier de retour au pays natal. Voici cette citation que j'y ai tirée parce que nous faisons aussi comme lui ce constat. Voilà ce qu'il disait, je cite. « Et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en attitude stérile du spectateur, car la vie, disait-il, n'est pas un spectacle comme une mer de douleur, n'est pas un proscenium, c'est-à-dire une scène de théâtre, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Mes frères et sœurs, la situation est grave. Et l'Église doit se tenir debout. Les hommes doivent être debout. Un chant que j'ai appris quand j'étais jeune en anglais disait ceci, « The time to be happy is now. » La phrase disait en suivant, « The place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy. » Et après, j'ai compris ce que signifiait cette phrase, « Le temps pour être heureux, c'est maintenant. » Et le lieu pour être heureux, c'est bien ici. Et la façon d'être heureux, c'est de rendre les autres heureux et de construire un petit coin du ciel ici-bas sur la terre. Frères et sœurs, chers amis, Dieu cherche des hommes, de vrais hommes. Des hommes qui peuvent assurer leur mission, qui peuvent assurer leur rôle et leur fonction de manière précise, sans avoir à sourciller, quelles que soient les difficultés. Alors permettez-moi, frères et sœurs, de pouvoir aller encore plus près et parler à mon église. Mais permettez-vous, frères et sœurs? Vous savez, Dieu veut s'adresser aussi aux dirigeants d'église, pasteurs, aux anciens, aux hommes de cette communauté chrétienne adventiste. L'Église francophone aux Antilles françaises a fait beaucoup de chemin depuis que Charles Giddings avait foulé le pied sur ces territoires. Aujourd'hui, nous sommes orgueilleux de ce que nous ayons environ 14 000 membres et plus. Et pensez-vous, frères et sœurs, que c'est par hasard que Dieu permette le développement de son œuvre dans cette partie du monde? Pensez-vous que Dieu n'est pas en action quand il permet à son œuvre d'être si bien implantée sur ce territoire avec un lycée dont nous sommes tout près, collège et trois autres écoles primaires? Autour de ce rassemblement, autour de ce committing, quel est le plan de Dieu pour son église à la Martinique, frères et sœurs? Le savons-nous vraiment? Parce que Dieu a un plan, mes frères. Savez-vous que mondialement, il y a environ 150 millions de francophones et que deux francophones sur trois vivent hors de la France métropolitaine. Deux francophones sur trois vivent hors de la France métropolitaine, répartis sur environ
40 pays et 5 continents. Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, et j'en passe, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée-Bissau, Haïti, Laos, Liban, et j'en passe, frères et sœurs, Seychelles, Polynésie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon. Si nous sommes bien d'accord, la mission de l'Église adventiste du septième jour est bien, mes frères, de proclamer l'imminence du retour de Jésus, pas vrai? C'est bien notre mission et de préparer un peuple, un groupe de chrétiens fidèles pour le rencontrer. Mais nous disons souvent, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais si nous n'allons pas le leur dire, qui le leur dira? Je crois que Dieu a favorisé ou a permis cette implantation afin de permettre qu'à partir de ce groupe d'hommes, de femmes, de jeunes gens, soit mis en place, organisé un plan d'action avec une vision pour faire exploser l'évangile en langue française. Mais il faut des dirigeants qui ont du courage et de la vision. Donc je pose la question à mes dirigeants, à mes collègues, à mes frères. Que fait l'élite francophone dans l'organisation de la mission en langue française? Ou bien allons-nous toujours compter sur les autres pour faire pour nous? Où est par exemple l'Institut supérieur de théologie des Antilles françaises? Qui assurera la formation de nos futurs pasteurs et le développement d'une théologie pastorale adaptée à la réalité de nos territoires? Mais pour que la chose existe, il nous faut penser, réfléchir en visionnaire, en d'autres termes, être des hommes. Où est cette unité de production, télévision unie, qui assurera la diffusion du message adventiste en langue française à partir de ces territoires? Une infime partie des écrits d'Ellen White sont traduits en français. Je dis bien une infime partie. Le commentaire biblique adventiste, par exemple, n'est pas traduit en français, alors qu'il existe en espagnol. Qui le fera pour nous? Quelqu'un d'autre? Où sommes-nous des hommes pour assumer notre devenir et le plan et la mission que Dieu nous a confiée? Où sont les théologiens francophones issus des pays d'expression française? Oh, bien sûr, nous avons eu dans le passé les Osburgers, les Pierre Lanarès, les Urchères, les Robert Badenas, les Denis Fortin, les Jacques Doucan et même les Richard Lehmann. Mais où sont les autres? Où sont ceux issus du tiers-monde et du bassin caribéen francophone? Où sont-ils? Où pouvons, allons-nous dire que nous ne sommes pas en mesure de réfléchir et de penser pour nous-mêmes? Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, frères et sœurs, continuer à fonctionner comme des enfants. Le temps est venu pour que l'Église aux Antilles françaises et à la Martinique devienne une Église mature. Une église debout avec à sa tête des hommes qui réfléchissent et qui ont un plan, un projet pour achever l'œuvre et que le Seigneur revienne. Vous ne pouvez pas tout de même, chers frères et sœurs, penser que Dieu a permis l'explosion de l'évangile à une époque aux Antilles juste pour que nous puissions nous en servir comme un moyen d'accession, d'ascension sociale pour certains. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Le plan de Dieu, le désir de Dieu est de mettre un terme à ce monde de péché, d'éradiquer le mal d'une manière définitive sur cette planète, mais aussi aux Antilles françaises et à la Martinique. Mais rien ne se fera tant que cette Église et tant que ces hommes ne se tiennent debout et n'assument la position et le rôle que Dieu leur a confié sur ces territoires. Dieu a besoin de nous. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes sur qui il peut
compter pour faire avancer l'accomplissement de la mission dans nos territoires respectifs et la francophonie en général. Pour achever cette œuvre, frères et sœurs, Dieu a besoin d'hommes. Alors en terminant, je voudrais lancer cet appel. D'abord, m'adresser aux hommes, aux adultes, aux dirigeants, aux pasteurs. Savoir si nous voulons maintenant, à ce point de l'histoire de notre Église, est-ce que nous voulons, frères et sœurs, retrouver cette posture d'homme debout, ayant une vision claire sur ce que Dieu place devant nous pour son peuple. Et si nous voulons dire devant cette assemblée ici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je lance un appel à ceux que Dieu place comme dirigeants d'église, afin qu'ils s'organisent, qu'ils s'investissent à la tête de ces communautés chrétiennes adventistes pour que chacun joue son rôle et sa place. Et que nos hommes ne passent pas leur temps aux abords de l'église, mais qu'ils s'impliquent dedans aussi. Je lance aussi un appel aux jeunes hommes qui ne sont pas encore pères, qui ne sont pas encore mariés. Mais Dieu compte aussi sur vous, jeunes hommes, afin de vous distinguer comme étant une race de jeunes hommes façonnés par le Seigneur lui-même. Des hommes dont le Seigneur sera fier, afin qu'il puisse dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu cherche des jeunes hommes qui, quelles que soient les pressions du groupe, peuvent dire non, je resterai pur jusqu'à mon mariage. Dieu cherche des jeunes hommes qui ne vont pas faire des femmes comme des objets sexuels, mais qui les respectent comme des sœurs selon le Seigneur. Dieu cherche aujourd'hui des jeunes hommes qui ont un plan pour leur vie et qui ne se contentent pas d'une médiocrité ambiante et qui ont un projet personnel, qui ont du ressort à l'intérieur et les yeux qui brillent d'une vision avec laquelle l'Éternel va les animer. Et finalement, je voudrais lancer un appel aux mamans et aux femmes, afin qu'elles puissent, elles aussi, contribuer à l'émergence de cette nouvelle race et de cette nouvelle catégorie d'hommes. Ou peut-être que pour certaines femmes, cette vacation ou cette vacance de l'homme les arrange pour prendre le pouvoir. Mais, mes chères sœurs, nous n'irons nulle part comme cela. Chacun doit jouer son rôle. Et quand tout le monde joue son rôle, nous arriverons au port ensemble. Alors je lance l'appel auprès de celles qui portent les enfants dans leur sein, afin qu'elles puissent déjà façonner, paramétrer ces jeunes garçons pour qu'ils deviennent ensuite de vrais hommes et pas des filles. Nous avons besoin de vrais hommes. Bien sûr, des hommes qui savent pleurer, parce qu'il n'y a pas de mal à pleurer, mais des hommes qui savent que Dieu les appelle à une posture, à une position de gardien sacrificateur. Dieu parle à son peuple ce matin, mes frères. Peut-il compter sur vous? Êtes-vous cet homme-là? Suis-je cet homme-là? En tant que pasteur, en tant que dirigeant, est-ce que j'ai cette posture pour mon Église avec une vision claire et précise? Mais je sais que vous voulez, mes frères et sœurs, recevoir l'appel et puis dire, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, j'assumerai le poste et la mission que tu veux me confier. Alors ce matin, j'aimerais voir, je suis déjà debout, s'il y a un autre homme qui voudrait se joindre à moi pour dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je voudrais savoir s'il y a un jeune homme qui veut dire, Seigneur,
tu peux compter sur moi. Je voudrais savoir s'il y a dans cette salle un autre adulte qui veut dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je voudrais savoir s'il y a un collègue pasteur qui peut dire, Seigneur, tu peux compter sur moi. S'il y a un groupe d'hommes qui veulent maintenant s'organiser pour créer un véritable mouvement de réveil au sein de cette église sous l'initiative de la jante masculine pour pouvoir prendre en charge nos jeunes hommes qui sont autour de nos communautés, de nos églises, en dérive. Des hommes qui veulent devenir des grands frères pour eux, aller vers eux, leur donner le modèle et dire, Seigneur, avec eux, nous irons de l'avant. Je voulais savoir s'il y a des hommes qui ce matin veulent dire, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas été à la hauteur, c'est vrai que j'ai été absent, c'est vrai que je n'ai pas joué mon rôle, mais par ta grâce, je veux assumer cette mission. Je veux assumer ce rôle. Je veux faire ce que tu m'as appelé à faire et te représenter dignement sur la terre. Y a-t-il d'autres hommes qui voudraient se joindre à eux et former ce corps d'armée, corps d'élite pour le Seigneur et par le Seigneur? Alors que le groupe s'avance et que nous puissions chanter notre chant de clôture, je sais qu'ils ne pourront pas le faire seuls et qu'ils doivent pouvoir compter sur le ministère de la prière, c'est-à-dire sur l'intercession de leurs épouses, de leurs mamans, de leurs sœurs, de leurs tantes, de leurs cousines. Alors je pose la question, mes sœurs, voulez-vous vous joindre à nous dans cette démarche? Voulez-vous vous joindre à nous et dire, Seigneur, par ta grâce, l'église sera renouvelée, la famille sera renouvelée, et nous allons avancer ensemble par ta puissance. Alors qu'ils chantent, mes frères, si Dieu vous appelle et que vous voulez non seulement être debout mais avancer jusqu'ici, faites-le sans tarder. Jésus entend et il est prêt à répondre, il est prêt à changer, il est prêt à bouleverser les uns et les autres afin que selon sa volonté, l'église aux Antilles françaises, l'église à la Martinique, soit une église renouvelée, une église forte, une église militante, afin que le Seigneur prenne avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Chantons ensemble, que chacun s'avance selon son cœur, et ensuite Pasteur Milard priera pour que nous puissions terminer cette session.